cadre de nos ateliers créatifs, nous allons vous montrer aujourd'hui comment faire un petit oiseau en papier découpé. Alors, pour réaliser notre petit oiseau découpé, vous allez retrouver comme d'habitude sur le site du réseau de lecture la feuille de gabarit. Voilà, donc il va falloir découper tous les éléments un par un. Donc vous allez avoir le corps de l'oiseau ici. Bien penser à découper la petite fente qui se trouve au milieu qui va aider à faire passer les ailes à la fin. Les ailes, la tête ici et la queue. Donc une fois que les gabarits sont découpés, vous allez pouvoir choisir vos papiers de couleur et découper dans vos papiers de couleur. Donc vous posez le gabarit sur le papier choisi et vous tracez le contour avec un crayon à papier. Sans oublier ce que j'ai failli faire, de marquer la petite fente au milieu. Voilà pour le corps. Voilà, une fois que tout est tracé, à vos ciseaux, il n'y a plus qu'à découper. Voilà, donc tous les éléments sont découpés. Ne pas oublier de tailler au milieu du corps de l'oiseau la petite fente pour pouvoir passer les ailes. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à coller la tête et la queue. Donc, vous mettez un petit peu de colle sur le haut du corps. Un petit peu côté queue. Voilà, et pour finir, vous allez passer les ailes. Si ça force un petit peu, c'est normal. Ça va permettre que les ailes restent bien en place et qu'elle ne glisse pas. Voilà pour la réalisation de l'oiseau découpé. Maintenant, si vous voulez créer un petit mobile, vous pouvez prendre du fil avec une aiguille. Vous faites des nœuds au bout pour pouvoir bloquer le fil. Vous allez percer un petit trou juste au-dessus des ailes. Voilà. Vous découpez l'excédent de fil. Et voilà, votre oiseau en papier découpé est prêt à être suspendu. Alors, une fois que vous avez réalisé votre petit oiseau en papier découpé, vous pouvez en faire plusieurs et faire un mobile en utilisant une baguette de bambou, en rajoutant des petits nuages que vous en avez mis dans les gabarits, un soleil, une lune, comme vous voulez. On vous a aussi préparé une petite sélection d'ouvrages sur le thème du papier. Donc,
Donc on s'est beaucoup servi de ce livre-là sur les papiers découpés, qui vous présente plusieurs modèles à faire avec des enfants de tout âge. Il y a des projets très colorés, c'est très accessible. Et ensuite, il y a aussi petit univers de papier, où là vous pouvez réaliser des décors en papier que vous mettez ensuite sous cloche. Celui-ci est un peu plus compliqué, car c'est des décors très précis, donc c'est plus pour des enfants assez grands, voire des adultes. Donc n'hésitez pas à venir les emprunter ou les réserver sur notre réseau de lecture. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.